pas d'électronique, mais de pétrole, pas de pile, mais le courant s'en va au milieu de l'eau. Varier de tonalité en fonction de sa longueur. Il faut savoir
Les quintettes et accordéons des bureaux de Payrolles, vous l'avez remarqué, ce sont des musiciens, mais c'est également une petite chorale qui va, tout au cours de la soirée, vous faire voyager au travers des différents chants qui constituent notre patrimoine. Nous allons vous parler des bateaux traditionnels à Fontaine de la Dordogne, les gabarres, qui servaient au transport des marchandises entre le massif central et le port de Bergerac. Au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, Sarlat va découvrir le train, puis le reste de la vallée en amont. La concurrence du rail va ébranler rapidement cette vieille bataillerie de la Dordogne, et ça va en être fini de cette navigation sur la haute et la moyenne Dordogne. En basse Dordogne, cette navigation va continuer un petit peu jusque vers 1950. Les gabariers n'étaient pas en général des gens très très faciles. Ils menaient une vie dangereuse, nécessitant beaucoup de courage, mais aussi beaucoup d'adresse. Peut-être est-ce pour cela qu'ils avaient le sentiment d'une certaine supériorité sur les terriens. Ils affirmaient d'ailleurs, avec plaisir, « Si vilain sur terre, seigneur sur l'eau, je suis ». Lorsqu'ils ne naviguaient pas, ils travaillaient comme pêcheurs, bûcherons, ou participaient à la construction de leurs embarcations, refusant les travaux agricoles, même en été, lorsque l'étiage ne permettait pas la navigation sur la Dordogne. Vous avez certainement reconnu la chanson des gabarres. Le beau voyage en vélo.
Dans un petit coin de Bruyère, une étoile est née pour toujours. C'est l'étoile des Monédières, c'est l'étoile des Courbettes. Actuellement, les dizaines et les unités a été introduite ici en Occident
par le pape Gerbert, qui était un Orléanois, quant à nous. Donc ce n'est pas mal. Donc belle journée. Vous pouvez avancer, on ne va pas chanter.
accordéon et Jean-Louis à l'accordéon, deux accordéons totalement différents, vont vous interpréter les grilles au loup. Jean-Louis, lui, a un petit accordéon diatonique, c'est-à-dire que quand il appuie sur une touche, il tire, il a une note, et sur la même touche, il pousse, il a une note. Alors que Jackie, lui, en fonction des touches qu'il actionne, il a des notes différentes. Nous allons donc thank you.
Le prochain DVD du groupe des Gardiens des Accordéons des Bureaux de Payrol devrait sortir en fin d'année. Et il va être axé plus particulièrement sur la cabrette et sur les vieux métiers. Et justement, nous allons tout de suite vous interpréter un chant qui parle d'un très très vieux métier, qui date de la fin du XVIIe siècle, quand les migrants du Massif central ont colonisé la capitale. Ils s'étaient là-haut occupés à des travaux très très durs et très fatigants que les Parisiens boudaient à cette époque-là. Fin du XVIIe siècle, il n'y avait pas d'eau courante à Paris, et donc les Auvergnats sont devenus porteurs d'eau, et ils amenaient au domicile des Parisiens l'eau tous les jours pour 3 francs 6 sous. Il faut savoir qu'au moment où Baron Haussmann a fait grands travaux dans Paris, il a amené l'eau justement aux Parisiens et donc le porteur d'eau a cessé d'exister. Et au XIXe siècle, donc, les Auvergnats qui avaient migré là-haut à la capitale sont devenus bougnats. Bougnats, ils vendaient des bûchettes, ils vendaient du charbon, ils vendaient du poisson et donc ils ont investi l'hôtellerie. Il faut savoir qu'à la fin du XIXe siècle et début du XXe, les Auvergnats de Paris étaient la communauté immigrante la plus importante de la capitale. Nous avons vous Thank you.
fleurit depuis quelques temps, ils sont encore en fleurs, de jolis végétaux jaunes, les genêts d'or. Nous allons vous interpréter donc une chanson en l'honneur de ce végétal d'avenir. Genêts d'or. Thank you.
pris la parole au début, je voudrais quand même vous dire que je ne suis pas seul à pouvoir travailler à ce moment, parce que ça, la tête c'est une chose, les bras et les jambes c'est autre chose. Donc mes jambes et mes bras sont là, je vais vous les présenter. Donc vous avez vu notre phénoménal Jackie à l'accordéon et au chant, vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup d'être là. Et un petit mot
cathédrale est sillonnée par de nombreuses rivières. Et dans le Cantal, si vous avez l'occasion de vous promener un petit peu, touristes, notamment les locaux connaissent, il y a de magnifiques cascades. Et il en est une, notamment, qui s'appelle la cascade de Capat, du côté de Malmo. Il y a plein de petites cascades, là-bas. Et celle-ci est particulièrement agréable. Et d'ailleurs, au mois de juillet, le 14 juillet, si je ne me trompe pas, une messe sera dite à la cascade de Capat. Donc si vous êtes dans le quartier, honnêtement, venez à cette célébration en plein air, au pied de la cascade, au son des cabrets, des accordéons, des pompes, des paillons. Nous allons donc vous interpréter la cascade. Qui vantent les beautés de ce magnifique paysage verdoyant. Ce sont
français, on maîtrise avec l'oreille, hein, s'il faut appuyer plus fort ou moins fort. Et on a moins de soucis que d'exprimer avec le rénalage, l'interprète d'en plus, surtout dans ce milieu-là où aujourd'hui l'église est un peu fraîche, il y a fait des choses dehors, donc les niveaux ici, ça devrait permettre de passer à la nature. Parce qu'il fait que l'eau se resserre, sous, ça dépend des réactions. Alors après, il y a un truc, mais voilà, un souci électronique, voilà. Dans ces cas-là, on espère qu'il n'y ait pas de chasseur à restaurer. Thank you.
et nous avons pu jouer la gouée qu'elle a écrite pour les hommes forts. Alors, elle est originaire de Pierrefort, donc elle parlait des hommes de Pierrefort, mais on va dédier cette gouée à tous les hommes qui sont dans cette assemblée. Thank you.
raconte les choses suivantes. Là-haut dans la montagne, au milieu de chaque pâturage, dans l'herbe épaisse et la gentiane, vous trouverez une pauvre maison, le masure. Le cantané, le bédélier avec le pâtre, les hommes qui allaient dans ce bureau, y poussent de retentissants ahus, poussés des cris pour donner du courage, c'est bien là notre masure. Quand vous entrerez dans la cuisine, vous y trouverez comme mobilier, autour d'une table fort rustique, des baquets et des harnais, qu'on les mette. Et sur la mer enterrée, la bonne cave, dans la fraîcheur et dans l'obscur, garde la fourme du masure. C'est la grosse pièce de courage. Et tout là-haut, sous la toiture, à côté du foin pour les petits veaux, chacun plié dans sa couverture, les hommes ferment leurs petits yeux parce qu'ils dormaient dans ce bureau. Quand dans la nuit souffle en glapissant le vent venu du Cantal, derrière le parc bien caché, s'endort le troupeau du masure, le troupeau du bleu. Et le matin bien réveillé, dans la rosée et les pieds nus, avec la gerbe, on mettait le lait à faire cailler, et le son ferré, on tirait le bleu des vaches, s'en vont les hommes du masure. Quand les veaux ont fait un brin de tété, chaque tétine sur le veau, donne une belle tête de lait.
Pour en revenir au restaurant où nous avons dîné ce soir, nous avons, je vous l'ai dit, une magnifique vue sur la vallée du Falgou et plus particulièrement sur l'un de nos puits les plus célèbres du département, le puits Marie. Donc, si vous êtes dans la côte pour un petit moment, n'hésitez surtout pas à gravir ce puits magnifique où vous aurez une vue à 360 degrés autour de toutes les, enfin, sur toutes les vallées de notre beau département. Ça vaut vraiment le coup d'œil. C'est un peu fatigant parce qu'il faut graver tout en haut, mais ça vaut vraiment le déplacement, donc n'hésitez pas. Il existe un chant en l'honneur de ce puits Marie que nous allons vous interpréter.
le président me dit à l'oreille que vous pouvez aussi, vous rentrerez chez vous, ou si vous n'avez pas envie d'aller vous promener dans la nature, vous pouvez toujours retrouver ces morceaux musicaux dans mon DVD. Nous en avons deux en magasin. On a deux CD. On a à chaque fois un DVD et un CD. Et donc, dans ces différents CD et DVD, vous pouvez retrouver ces musiques que nous avons interprétées ce soir. Vous les avez pas ce soir. Pardon. Vous les avez pas ce soir. Si nous les avons, à nous ne voyageons jamais sans nos instruments et jamais sans nos CD. Donc, à la fin du concert, si ça vous intéresse, c'est Martin et Pierrette qui sont chargés de la promotion et de la vente de nos CD. Vous allez bien?
trouble cardiovasculaire léger, soigne également l'anxiété, soigne également l'insomnie, et on peut dire que la musique aussi permet de soulager nos différents membres. Nous allons donc vous interpréter Fleur d'Aubépine, en espérant que cette musique vous aura fait grandir. Leur
Je vous remercie pour votre écoute. Nous avons été ravis de passer cette soirée avec vous. Nous allons vous interpréter un chant qui est très très important pour tous les gens de l'Occitanie. Il s'agit d'une chanson d'amour qui est devenue populaire dans le midi de la France et qui serait originaire du Béarn. Il faut savoir que bien que son véritable auteur soit inconnu, elle est attribuée, cette chanson à Gaston Phébus, comte de Foix, vicomte du Béarn, au XIVe siècle. Vous voyez, ce n'est pas tout récent. Selon la légende, sa belle aurait été forcée de le quitter pour rejoindre la Navarre. Phébus aurait donc écrit cette chanson dans laquelle il souhaite voir les Pyrénées s'affaisser afin de laisser libre cours à ses amours. Mais une autre version nous dit que sa bien-aimée en aurait eu assez d'être trompée par Phébus et qu'en fait, elle aurait rejoint la Navarre. Le chef canto est considéré depuis le XXe siècle comme l'hymne de l'Occitanie. Il faut savoir que le deuxième hymne aussi, c'est la coupe au centre. On peut interpréter ce chant de deux façons différentes, soit dans un sens littéral et traditionnel, l'espoir que les amants se retrouvent, soit dans un sens plus récent, un chant de ralliement occitan. En France, il n'y a pas d'usage réglementé de ce chant, comme cela peut être le cas pour un hymne. Néanmoins, on l'utilise publiquement pour montrer son attachement à l'Occitanie ou à une région occitane. Nous vous invitons donc à chanter avec nous le chicane. Thank you.
sommes dans une église et c'est vrai que nous avons aussi dans nos attributions l'animation du service. Et nous avons deux chants à la Vierge que nous affectionnons aussi particulièrement. Nous allons les interpréter. Que vous assurez.